Bonsoir, merci d'être venu, même si vous êtes peu nombreux ce soir. Je vous propose de développer le sujet et ensuite de discuter entre nous. Donc c'est un sujet d'actualité. Alors, le référendum de 58, contrairement au référendum qu'on a, nous, là, maintenant, il ne correspond pas à un besoin politique des Calédoniens. Ça, c'est la première chose. Son origine politique, c'est le mouvement en France, au niveau central, Paris et les changements qui s'opèrent. Tandis que le référendum de novembre, il a sa source chez nous. C'est la grande différence. Ensuite, le référendum de 1958, en Nouvelle-Calédonie, l'appartenance à l'ensemble français n'est pas questionnée dans tous les électorats, ce qui fait que la tenue de ce référendum étonne. Et donc, je vais envisager les différents points de vue sur le référendum de 1958. Mais d'abord, l'objet du référendum. Et c'est une des particularités de la question, elle porte sur deux sujets différents. Quand on est d'outre-mer, on répond à deux questions, en réalité même trois, de nature très différente, voire même opposée. Tandis qu'un métropolitain, il ne répond qu'à une question. En somme, il était possible de poser deux questions à ce référendum, et il n'y en aura eu qu'une. Alors, quelles questions ? Alors, d'abord, un élément de contexte. Naturellement, 1958, c'est le retour du général de Gaulle au pouvoir, plus précisément. C'est, on va dire, bon, les Français, la classe politique et surtout le président de la République qui appelle le général de Gaulle, mais là, à cause de la crise algérienne principalement, qui s'éternise. Et le général de Gaulle a une exigence, c'est de changer de constitution et qu'elle soit adoptée par le peuple. De là l'origine du référendum constitutionnel. Donc ce référendum, c'est un référendum d'approbation d'une constitution. C'est un peu le... Cette constitution, elle est adoptée par le gouvernement français le 3 septembre. Elle est discutée en juillet et août, adoptée par le gouvernement, et c'est un projet de loi en somme. Et la question porte sur un projet de loi. On demande, voulez-vous, oui ou non, de cette loi ? Alors, en réalité, il y avait deux référendums. Un qui portait sur la Constitution, donc le statut de la France, la loi de la loi, comme on dit, et un autre qui portait sur l'outre-mer en général, les territoires d'outre-mer, qu'on allait appeler la communauté. Mais relier ces deux questions, ces deux réponses, dans une question, c'est De Gaulle qui l'a voulu. Il a exigé qu'il n'y ait qu'une seule question. Autrement dit, la France et la communauté et la France. Et comme il n'y avait qu'un bulletin de vote, en somme, je vais le démontrer, les citoyens d'outre-mer étaient considérés différemment que les citoyens de métropole pour le vote. Alors, ce référendum comportait une certaine vision de la France. Et en 1958, la France, ce n'est pas comme aujourd'hui un État-nation qui a quelques confettis de petits territoires qui sont éparpillés ici ou là. La France, en 1958, c'est un empire, en somme. Et cet empire s'appelle, après 1946, l'Union française. Et entre parenthèses,
le parti Union calédonienne, ça vient de Union française. L'idée, c'était l'Union calédonienne dans l'Union française. C'est un peu un double de l'Union française, l'Union calédonienne. Bien. Et tous les habitants de l'Empire étaient citoyens français. Tous avaient des représentants à la fois à l'Assemblée nationale, mais ils avaient aussi une assemblée qui leur était propre, l'Assemblée de l'Union française à Versailles. Il y avait des hommes politiques de l'outre-mer qui étaient membres du gouvernement, certains étaient ministres d'État, mais il n'y avait pas de suffrage universel. Donc, à ce moment-là, la France est donc un empire de plus de 110 millions d'habitants. Donc, et cet empire est un empire qui tient compte des mesures de décolonisation, puisque chaque pays a des élections, mais il y a un double collège. Chaque pays élit des députés à l'Assemblée nationale, à une assemblée. Donc on n'est plus dans un cadre colonial strict. Puis on va accorder à tous les territoires d'outre-mer un statut particulier qui s'appelle la loi cadre. Et contrairement à ce qu'on pense, la loi cadre n'est pas destinée à donner l'indépendance au pays. Hein. Au contraire, la loi cadre a pour objectif de préparer les territoires, mais pas de préparer les territoires à l'indépendance, mais de déconcentrer, de décentraliser au niveau territorial le pouvoir administratif, politique et budgétaire. Parce que 10 ans d'application de l'égalité sociale, médicale, scolaire avaient révélé l'impossibilité pour la métropole de financer tout ça. Donc, devant cette difficulté, le pouvoir central décide de ramener les questions budgétaires au niveau des États. Donc, ce qui a été constaté, je vais vous lire le constat du ministre à l'époque, il dit, au milieu des années 50, le gouvernement français se rendit compte qu'il lui serait difficile de développer l'économie africaine et socialement au niveau de l'Europe. Et un ancien ministre déclara, alors, accordez-nous immédiatement l'égalité dans la législation du travail, dans le bénéfice de la sécurité sociale, l'égalité dans les allocations familiales, en bref, l'égalité des niveaux de vie. Il faudrait, constate-t-il, pour atteindre ce but, que la totalité des Français consentent à un abaissement de 25 à 30% de leur niveau de vie au profit de nos compatriotes des territoires d'outre-mer. Donc, comme cela n'était pas possible, la solution consiste à rendre à ceux qui ont la charge des recettes, c'est-à-dire représentants élus des contribuables, le pouvoir de décision en matière de statut de rémunération des cadres propres au territoire. Donc la clé de voûte de la réforme, ça a été la loi cadre. Donc, et si le gouvernement territorial voulait augmenter les salaires des fonctionnaires, améliorer les services sociaux, il fallait le demander aux contribuables du territoire qui étaient aussi électeurs de payer la facture. Avec la loi cadre, c'était le territoire et non l'Union française ou la dimension fédérale qui devient le point de référence. Alors, voilà où on était statutairement l'outre-mer français au moment du référendum. Pour la Nouvelle-Calédonie, l'argent n'était pas un problème, puisque notre pays était assez riche. Hein. Par exemple, les exportations calédoniennes en 1957 arrivaient aux 2/3 des exportations de l'Afrique équatoriale française, qui avait 4 pays. Hein. Donc, par contre, nous, notre problème, il était politique, c'est-à-dire l'application de la loi cadre a provoqué des difficultés et même une tentative de renversement par la force du gouvernement de la loi cadre par la minorité qui n'acceptait pas le pouvoir de la majorité. Et cette majorité était composée de non-Kanaks et de Kanaks.
Donc ça a provoqué des événements très graves au début de l'année 1958. Donc voilà la source de la problématique qui se pose aux hommes politiques français d'outre-mer et de métropole en 1958 pour discuter de la Constitution. Alors, je vais maintenant vous exposer les termes de la discussion. Et pourquoi je le fais? Eh bien parce que la réponse au référendum, elle va être un oui massif, partout, sauf dans un pays, la Guinée équatoriale. En Côte d'Ivoire, il y aura 100% de oui. Partout ailleurs, il y aura plus de 90% de oui. Un des plus bas taux, c'est 70%, hormis la Guinée. Donc la question, c'est pourquoi? Eh bien parce que les difficultés, les compromis politiques avaient été passés après. Et ils ont été insérés dans le projet de loi. Et donc ils ont été adoptés par presque consensus. Donc il y avait deux problématiques qui divisaient en somme. La première, c'était l'indépendance. Et la deuxième, c'est la forme de la communauté. Alors, pour l'indépendance, les Africains voulaient que soit reconnu dans la Constitution le droit à l'indépendance, comme un principe. Mais ils distinguaient le droit à l'indépendance de l'usage de ce droit. Notamment un député sénégalais, Gabriel Darboussier, qui a développé cette théorie. Gabriel Darboussier a séjourné à Nouméa, où son père était gouverneur. Il a été élève au collège La Pérouse. Donc, les Africains demandaient cette reconnaissance. Le général de Gaulle, il décidera unilatéralement que le choix serait entre appartenir à la communauté et l'indépendance, qui s'appelle pour lui la sécession. Car de Gaulle estimait que la France et les pays de la communauté, de la future communauté, n'ont pas à payer le fonctionnement d'un pays qui deviendrait indépendant, qui prendrait l'indépendance. Donc le choix est entre rester dans un grand ensemble ou en sortir. Donc la notion centrale de cette époque, c'est vraiment l'empire, le grand ensemble qui met ensemble plusieurs États, plusieurs peuples. C'est ce concept-là que les hommes politiques de cette époque ont eu à développer. C'est un anachronisme de considérer aujourd'hui que le vote pour ou contre l'indépendance était central dans le référendum de 58, à Nouméa comme ailleurs, sauf à Conakry, capitale de la Guinée. Ce n'était pas ça la question. Bien. Alors, juste un mot pour vous dire qu'est-ce que disait De Gaulle par rapport à l'indépendance. Il disait, si on refuse cette association avec la France, on verra quelle forme elle va prendre. Il est entendu qu'on veut l'indépendance et qu'on la veut avec tous ses devoirs, toutes ses charges, tous ses dangers. Et dans ce cas-là, évidemment, la métropole en tirerait les conséquences. Et il ajoutait, je ne me verrai pas prenant au nom du gouvernement ou au nom de la France la responsabilité d'imposer à la fédération que nous allons faire, des charges qui seraient destinées à faire vivre dans la sécession un territoire qui aurait choisi la sécession. Cela, il faut qu'on le sache, et je crois d'ailleurs que c'est bien dans la pensée de chacun. Donc, à cette réunion où tout le monde est présent, voilà la réponse de De Gaulle à l'indépendance. Il dit, on peut prendre l'indépendance, mais on ne peut pas être dans la communauté tout en étant indépendant. Donc, ce compromis-là est accepté par tous. Pourquoi est-il accepté? Parce qu'il y a la seconde difficulté, la forme de la communauté. On a compris que nous sommes en présence d'un ensemble de population qui approche les 100 millions d'habitants. Donc, c'est considérable. Et qu'il s'agit de gérer le statut politique de cet ensemble, qui depuis 1946 est déjà dans un cadre qui annonce la communauté. Donc,
pour cette communauté, donc il y a à Paris des réunions distinctes, hein, où participent des élus d'outre-mer, et la Calédonie y est représentée par M. Lenormand, le député, qui joue un rôle très important. Hein, et qui, d'ailleurs, avec Léopold Sédar Senghor, amène au président de la République les propositions de l'outre-mer. Donc la forme, deux visions s'opposent. La fédération, c'est-à-dire la métropole et une série de pays particuliers, ou la confédération, la métropole et des associations fédérales de pays. Parce que il y a la solidarité africaine. Donc c'était un débat très intense entre les dirigeants africains. Est-ce que c'est un pays qui adhère à l'ensemble qu'on va créer, ou est-ce que c'est des pays africains qui forment, en somme, une autre association politique qui s'appelle la fédération, et cette fédération, avec la métropole, forme une confédération. Un peu comme dans les mouvements sportifs, il y a ça aussi. Bien. Et pourquoi, quel était l'objectif ? L'objectif, il était double, en fait. Il était de rester avec la France, c'était mieux que rester hors de la France. Et le deuxième, comment être africain ? Plutôt que ivoirien, tchadien, dans un État-nation. Voilà, c'était ça les deux problématiques à résoudre. Tous estimaient qu'il fallait bâtir un État multinational, unissant éventuellement entre les États africains et la France, soit dans une structure fédérale ou confédérale. Selon la formule de Senghor, obtenir à la fois une solidarité verticale et une solidarité horizontale entre Africains. En fait, il y avait deux contrats de mariage, avait dit un député sénégalais, M. Mamadou Dia. Il avait dit, soit on a un contrat avec la séparation de biens, ou en communauté. Mais dans les deux cas, c'était toujours un mariage. Voilà, c'était ça l'option. Donc on remplace un État impérialiste par un État multinational. Je vous cite la phrase de Senghor. Le groupe des indépendants d'outre-mer reconnaît que la notion de plus en plus actuelle d'une interdépendance étroite entre les peuples doit se substituer au mythe que constitue une soi-disant indépendance lorsqu'elle est appliquée à des petites unités économiques mal équipées et livrées à elles-mêmes. Hein ? C'est à ce moment-là, on est loin à ce moment-là d'une politique nationaliste territoriale de fermeture autour d'une singularité culturelle. Elle est là, et ça c'est le consensus entre les dirigeants africains. Même Sékou Touré, dans son discours d'août 58 face au général de Gaulle, quand on le relit calmement, il n'est pas incompatible avec la communauté. Il se trouve simplement qu'il a été fait sur un ton et dans un contexte politique propre à la Guinée qui a opposé les Guinéens et le général de Gaulle. Donc, et la raison... En fait, ce scénario-là ne va pas tenir. Bien. Alors, voilà. Alors... Tous ces élus trouvent un compromis, hein, ils trouvent un compromis qui n'est pas le Commonwealth britannique, qui n'est pas les USA, qui n'est pas l'URSS. Et cette structure s'appelle la communauté et fera l'objet de la deuxième dimension de la question référendaire, celle réservée aux populations d'outre-mer. Voulez-vous, oui ou non, faire partie de la communauté ? La première question étant... Voulez-vous, oui ou non, de ce projet de constitution de la France ? Hein ? Alors qu'il n'y aurait qu'un bulletin de vote. Donc, qu'est-ce que c'est cette communauté ? Eh bien, c'est un groupement d'États autonomes ou de groupes d'États, parce qu'il y aura un compromis laissant la possibilité aux États de faire une petite fédération. Donc, on a mélangé le fédéralisme et le confédéralisme. Un gouvernement de la communauté, appelé conseil exécutif, un sénat de la communauté, une citoyenneté unique. On est citoyen de la République française et de la communauté. L'année suivante même, vous êtes bien assis, on va créer une double nationalité.
ça existait. Celle de la communauté qui se superpose à celle de chaque État et réciproquement. J'ouvre les guillemets. Tout national d'un État de la communauté est citoyen de la communauté. Tout citoyen de la communauté jouit des libertés publiques sur le territoire de chaque État de la communauté dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Voilà. Donc, alors la communauté, quelle attribution elle a? Je vais aller vite. Elle a les attributions régaliennes. Nous, Calédoniens, on est familiers. Les attributions régaliennes qu'exerce l'État sont exercées à ce moment-là par la communauté. Mais la communauté qui est un regroupement d'élus issus de tous les pays. Hein, voilà. Alors, conclusion à ce stade. Dans les années 50, on pense unité globale dans un ensemble multinational cohérent. Les pratiques politiques s'exercent dans un cadre multinational et unitaire en même temps. Une idée gouverne le référendum de 1958, conjuguée intégration et différenciation. Il n'y a pas de rejet de la citoyenneté, je dis de l'Empire, mais sous-entendu d'un grand ensemble. C'est parce que les historiens américains qui ont retravaillé cette question, Madame Burkhardt et M. Cooper, dont les études, l'attention sur ces études a été attirée par un collègue historien, Benoît Trépied, hein, ils disent que le référendum de 58 est une manière de gérer un empire, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs populations et de plusieurs formes politiques. Et c'est ça la vraie problématique. Donc, dans les années 50, voilà, il n'y a pas de rejet de la citoyenneté. La France avait une forme politique complexe et qui est prise en compte par la question. Donc, le compromis, ça forme le titre 11 et 12 du projet de Constitution approuvé en Conseil des ministres. Un petit peu, si vous voulez, comme le compromis de l'accord de Nouméa est inséré dans la Constitution française actuelle. Et un compromis, on le constitutionnalise par référendum. C'est la même chose qui s'est passée. Exactement la même chose au niveau de la forme constitutionnelle, si vous voulez. Hein? Donc, le projet de Constitution est approuvé en Conseil des ministres, le 6. Il est soumis au référendum et il est approuvé partout, sauf en Guinée équatoriale, où il est largement désapprouvé. On voit bien que le référendum, c'est souvent un consensus. Hein? Donc, soit on approuve très largement, soit on désapprouve très largement. Et ça grâce au consensus final obtenu après les négociations à Paris, hein, qui commencent en juin, en juillet et en août. Hein. Le droit à l'autodétermination est constitutionnellement mis en œuvre pour la première fois à une grande échelle et consacre une nouvelle association des peuples qui avaient été colonisés. Hein. Bien. Conclusion de la conclusion, avant de passer à la Calédonie. Le référendum de 58 montre qu'il y a, de l'avis des ex-colonisés eux-mêmes, plusieurs chemins pour sortir d'un empire colonial. Déjà en 1946, les départements d'outre-mer, qui étaient les quatre vieilles colonies, choisissent la départementalisation sur un projet de loi défendu par Césaire, qui est l'apôtre de la négritude avec Senghor. Et Césaire était pour l'égalité, pour que les Antillais des colonies françaises soient traités à égalité. Et pour ça, il prône la départementalisation. Et en 1958, c'est la communauté qui exerce cette fonction de décolonisation. L'État-nation n'est donc pas le seul à pouvoir le faire, même si finalement, cette option va être généralisée à partir de 1960. Mais ce n'était pas l'enjeu du référendum de 58. Alors maintenant, le débat en Nouvelle-Calédonie. Le référendum, je vous l'ai dit, il arrive comme un cheveu dans la soupe. Dans l'opinion publique calédonienne, il y a deux catégories d'analyse. D'abord l'analyse sur la Constitution et ensuite l'analyse sur la communauté. Hein. Parce que, on l'a compris,
Il y avait deux dimensions dans ce référendum. Sur la Constitution, la droite calédonienne approuve le retour du général et l'esprit présidentialiste de la nouvelle Constitution, tandis que la gauche calédonienne et l'Union calédonienne, qui est aussi dans la gauche, rejettent ce statut, qu'il est considéré comme insuffisamment démocratique. C'est la critique qui sera faite, naturellement, à la Constitution de la Ve République, au départ, d'être très présidentialiste, de donner trop de pouvoir au président de la République et d'être pas assez démocratique parce qu'on a trop renoncé à la proportionnelle, par exemple. C'est un élément. Donc, un des leaders de la gauche calédonienne, Pierre-Hubert Janson, explique bien dans son journal ce paradoxe. Le Calédonien ne peut pas refuser la Constitution parce qu'elle est contraire à ses principes politiques et accepter la communauté. Il ne peut pas. Parce que s'il accepte la communauté, il voudrait voter oui. Mais s'il refuse la Constitution, il voudrait voter non. Or, dans ce cas-là, il deviendrait indépendantiste. Mais il n'est pas indépendantiste. Donc, il dit que les Français d'outre-mer, et notamment les Français en Calédonie, sont des citoyens de seconde zone. Parce qu'un métropolitain qui vote non, naturellement, il ne devient pas indépendantiste. La France reste toujours unique et ne dépend de personne. Donc il y a deux poids, deux mesures. Mais c'était délibéré. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc alors il appelle à l'abstention, M. Janson. Et l'Union calédonienne, pour les mêmes raisons, proteste contre cette façon de lier les deux. Et ils disent que le oui est pris en otage. Et donc la question, c'est le lien avec la France. Donc chez nous, tout le monde, ou presque, prône le oui. Il y a le oui patriotique. Le oui est assimilé à une affirmation de l'appartenance française de la Nouvelle-Calédonie. Les associations de volontaires, les anciens combattants prennent position dans le journal et ceux qui ont fait le ralliement à la France libre disent qu'il faut voter par patriotisme. Le oui est vécu aussi comme un refus de l'autonomie voulue par la majorité des électeurs et vu comme l'antichambre de l'indépendance. Le Rassemblement calédonien, par exemple, qui est créé à cette époque après les événements de juin 58 pour renverser le gouvernement de la loi cadre, événement violent, armé, on est passé très près d'une guerre civile qui a été évitée grâce à la sagesse des dirigeants kanaks et européens de l'Union calédonienne. Le oui est vécu comme un refus de cette indépendance parce qu'ils pensent que l'autonomie, c'est l'indépendance. Donc, voilà. Le oui de l'Union calédonienne, enfin, c'est-à-dire le oui de la majorité des électeurs. Je parle du oui de l'Union calédonienne parce que, en mai 1959, par exemple, le candidat de l'Union calédonienne à l'élection législative obtient 2/3 des voix et il est majoritaire à Nouméa. C'est pour vous dire l'importance politique de cette unité calédonienne qu'a réussi l'UC. Et le oui de l'Union calédonienne, je ne résiste pas à vous lire ce qui est dit à l'époque par l'UC dans son journal. Quel est le sens de notre oui, en somme ? Un oui qui doit permettre aux Calédoniens de décider librement du statut du territoire. Un oui qui doit nous assurer le respect intégral de nos institutions territoriales et le droit de gérer et d'administrer librement et démocratiquement nos propres affaires. Un oui de confiance au général de Gaulle pour que soient garanties, dans la ligne des meilleures traditions républicaines, nos libertés démocratiques et les conquêtes sociales réalisées. Un oui à la République et à la nouvelle communauté fraternelle qui va se constituer. C'est toujours un oui pour le statut. Ce n'est pas un oui à la France qui serait le contraire d'un non, parce que la question ne se posait pas. Donc on voit bien que le oui de l'UC, c'est un oui, en somme, conditionnel au maintien des libertés politiques de la Nouvelle-Calédonie par la loi cadre, y compris le suffrage universel et le maintien du statut coutumier pour la population kanak et le statut des terres coutumières.
Et cela a été rendu possible parce que l'Union calédonienne demande des garanties. Et les garanties lui ont été données par le gouvernement central. Et un ministre envoie un télégramme à Nouméa en disant « Les libertés accordées en vertu de la loi cadre sont maintenues. Les territoires s'administreront par leur conseil élu et le pouvoir réglementaire de l'Assemblée territoriale subsiste. » Donc, le général de Gaulle était soucieux que la Nouvelle-Calédonie vote oui. Et donc, pour ça, le gouvernement accepte de garantir le maintien des libertés politiques obtenues par les Calédoniens avec la loi cadre, hein, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie avait une autonomie fiscale, douanière, elle avait un conseil exécutif qui n'était pas collégial, les ministres étaient de vrais ministres, ils avaient autorité sur leur propre administration. Hein, et bon, c'était un statut d'autonomie. Et donc, c'est ce télégramme qui décide l'Union calédonienne à prendre position pour le oui solennellement au cours d'un comité directeur. Le général de Gaulle enverra une lettre de remerciement à l'Union calédonienne après la tenue de ce comité directeur du 6 août. Et donc, ce qui a décidé l'UC, c'est la possibilité de choix figurant dans le projet de constitution. Les territoires d'outre-mer, c'est l'article 76, pourront choisir dans les 4 mois qui suivent le référendum entre 4 statuts, le département, entre 3 statuts, pardon, le département, le territoire d'outre-mer, ou être un État membre de la communauté, dont le titre sera République membre de la communauté. Les résultats en Nouvelle-Calédonie, c'est une réponse d'un oui à 98%, on sait pourquoi, la négociation politique a lieu avant et la question de l'indépendance ne pose pas de problème par rapport à la France, elle fait consensus parce que nous parlons d'une France qui est la France de l'Union française, une France qui a voté le FIDES, une France où les réformes de rééquilibrage sont entamées, y compris en faveur des populations kanaks, ce qui fait que l'adhésion à la France fait consensus. Par exemple, un élu kanak du Conseil général en 1953 dira « Vive la France du centenaire ». Donc, la réponse est oui. Mais bon, voilà, ça passe comme un autre événement politique. Je ne vais pas dire que c'était banal, mais presque. Parce que chez nous, le référendum n'était pas fini, hein, contrairement aux pays africains qui choisissaient l'État. Chez nous, le choix ne coulait pas de source. Donc, le référendum nous ouvre, hein, le choix entre 3 possibilités. Il faut que nos élus décident. Et là, la chose était difficile. Pourquoi était-elle difficile? Eh bien, parce que attendez. Voilà. Eh bien, parce qu'il y avait plusieurs options et que les Calédoniens étaient d'accord, mais il y avait des variantes. Hein. Personne ne voulait la départementalisation. Personne ne voulait la départementalisation. Par exemple, un des responsables du Rassemblement calédonien de cette époque, qui est un opposant à l'Union calédonienne, dans une réunion publique tenue à Ouégoua le 3 octobre 1958, donc après le référendum, quand il s'agit de discuter du statut que les Calédoniens vont choisir, voilà ce qu'il dit à Ouégoua, c'est le rapport du gendarme, hein, de Ouégoua. Il dit « Monsieur Lafleur a déclaré que le Rassemblement calédonien se prononçait non pas pour l'association en qualité d'État membre de la communauté, ce qui est un premier pas vers l'indépendance, ni pour devenir un département d'outre-mer avec son préfet et la fiscalité métropolitaine, mais demeurer partie intégrante de la République et conserver ses statuts de territoire d'outre-mer avec une loi cadre modifiée et appropriée à la Nouvelle-Calédonie. » Donc, voilà la position, en somme, de la droite, de ceux qui étaient opposés à l'UC.
Donc il restait à choisir entre territoire et état de la communauté pour l'Union calédonienne. Alors, ce n'était pas facile parce qu'il y avait des inconvénients vraiment rédhibitoires, inacceptables. Il y en avait deux. Pour un territoire, dans un territoire, dans le statut d'un territoire, l'État exerce toujours la tutelle administrative sur les services du territoire. Et le pouvoir d'un gouverneur sont des pouvoirs qui ressemblent à ceux d'un préfet. Donc, et plus grave encore, le statut d'un territoire est fixé par la loi. Donc, il est modifiable unilatéralement par l'État. Donc, il n'y a pas de garantie. Et surtout que la proposition du député de la Nouvelle-Calédonie de maintenir dans le projet de constitution l'option de la loi cadre sera rejetée. Alors, en ce qui concerne le statut d'État membre, pourquoi ça gêne l'Union calédonienne ? Alors, tout lui convient. C'est une collectivité constitutionnelle qui s'administre librement, gère démocratiquement ses propres affaires, hormis les compétences régaliennes, l'enseignement supérieur, la communication, un petit peu comme aujourd'hui, en somme. Mais une chose était inacceptable. C'est que dans le statut d'État membre, il avait la possibilité d'accéder à l'indépendance par un simple vote de son assemblée au bout de 5 ans. Alors, l'opposition à l'indépendance, c'est un élément qui constitue le consensus politique calédonien après la guerre, jusqu'en 1958 et même au début des années 60. Donc ça posait un problème. Même la population kanak estimait avoir besoin de la France pour appuyer le développement social et scolaire du pays, et le statut permettait un accès au pouvoir à un degré satisfaisant à ce moment-là. Et il y avait, en vis-à-vis de ça, 13 ans de pratiques nouvelles, tant par l'État que par le Conseil général, dominé par l'UC. Donc une amélioration politique, économique, sociale, scolaire, de toutes les populations défavorisées. Et Paris refuse la proposition de l'UC de donner à la Calédonie le statut d'un État associé avec une mention du refus d'accéder à l'indépendance. Donc, la situation était bloquée. L'Union calédonienne demande des garanties à Paris. Et elle obtiendra des garanties écrites. Et elle vient du ministre qui s'appelle Cornu-Gentil, qui écrit qu'il est inconcevable que le Parlement puisse jamais renier la tradition républicaine de la France, au point de remettre en cause, en dehors de la volonté formelle des populations intéressées, des dispositions statutaires fondamentales. Dans le présent, la Nouvelle-Calédonie, peut être assurée que les compétences décentralisées à l'échelon du territoire, par la loi cadre, ne seront en aucun cas réduites, mais pourront au contraire être étendues puisque les dispositions de la nouvelle Constitution donnent plus de latitude à cet effet que celle de la précédente. Dans ces conditions, un nouveau statut territorial sera établi après discussion entre groupements politiques, comme il est suggéré. Donc, il y a ça, plus encore un télégramme qui appuie cet engagement de l'État. Ce qui fait que avec des pressions politiques, qui viennent de la droite, qui viennent aussi de l'État, avec ces garanties, l'Union calédonienne accepte le statut de territoire. Et il y a un vote, il y a des élections, entre-temps il y a des élections, parce que c'était prévu par la Constitution, toutes les assemblées sont renouvelées, il y a des élections. Et le 17 décembre 1958, un vœu est adopté par l'Assemblée territoriale, et ce vœu est en faveur d'un territoire. Et l'Union calédonienne dit que la Nouvelle-Calédonie accepte d'être un territoire, mais en comptant bien, je vais le lire, l'Assemblée territoriale
décide, en se référant aux dispositions de l'article 76 de la Constitution, de conserver le statut de territoire au sein de la République avec maintien des institutions territoriales actuelles et application complète de la loi cadre comme garantie du respect de la personnalité calédonienne et des libertés locales déjà acquises. Donc, en plus, le Normand, au cours du débat à l'Assemblée territoriale, dit que quand il a posé lui-même la question à De Gaulle avait dit « Vous avez une loi, essayez de vous arranger avec ». La loi, c'était la loi cadre. Hein, donc, voilà. Donc, l'Assemblée territoriale vote pour un statut territorial, mais l'engagement de l'État ne durera pas et la promesse ne sera pas tenue. Et c'est d'ailleurs pour ça que le FNKS demandera un référendum en 1998. C'est en référence à cette garantie qui n'a pas été tenue. Hein. Voilà. Donc, le général de Gaulle, finalement, petit à petit, va reprendre les pouvoirs de la loi cadre à la Nouvelle-Calédonie et vider de sens l'autonomie qui avait été acquise par la Nouvelle-Calédonie. Mais ça, c'est une autre histoire. À cause de quoi ? À cause de, d'abord, des essais nucléaires qui sont passés du Sahara à la Polynésie, hein, et à cause du souci aussi d'éloigner les intérêts étrangers des gisements de nickel calédonien. Hein. Voilà, c'est ça les raisons. Mais c'est une autre histoire. Donc, pour conclure sur le référendum, vous voyez bien qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'a pas été vécu comme un moment important, car il posait une question non écrite qui ne faisait pas débat chez nous, l'appartenance à la France ou non. Hein. Mais par contre, il a été un moment d'unité calédonienne pour conserver les libertés politiques qui avaient été acquises depuis 1945 et grandement renforcées par la loi cadre de 1957. Voilà, je vous remercie.